Je vous propose de faire un excellent plat de riz aux œufs. En mandarin, on l'appelle tan chao fan. Il est très simple à faire avec peu d'ingrédients et peu de préparation. Pour faire cette recette, j'utilise du riz long parfumé. Vous pouvez la faire avec du riz de la veille ou du riz qui vient d'être cuit. Pour la cuisson, vous pouvez regarder ma vidéo dont le lien se trouve en description. Pour que le riz sauté ait une bonne texture, je mets un peu moins d'eau que d'habitude pour sa cuisson. 100 ml d'eau pour 100 g de riz. Avec du riz qui vient d'être cuit, il faut l'aérer pour défaire des blocs. Puis, l'étaler pour que la vapeur s'échappe, ce qui rendra le riz moins humide. On le laisse refroidir. Ici, j'utilise du riz cuit la veille. J'en ai environ 800 g. Je trempe mes mains dans de l'eau pour éviter que les grains de riz ne s'y collent. Puis, je défais les blocs. J'ajoute 6 jaunes d'œufs. Je mélange pour que les grains soient bien enrobés de jaune. J'émince 20 g de ciboulette ou de cive. Je chauffe une poêle à feu fort. Quand elle est chaude, j'ajoute 3 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Quand l'huile est chaude, je mets le riz. Je l'étale bien et laisse une minute. Je le retourne et laisse encore une minute. Puis, je remue pendant 3 minutes. Le jaune d'œuf est riche en matière grasse, ce qui permet aux grains de riz de bien saisir sans s'assécher et de rester bien séparés. J'ajoute les blancs d'œufs. Je remue pendant une minute, toujours à feu fort. Puis, 2 minutes à feu moyen. Le blanc d'œuf cuit plus rapidement que le jaune. J'ajoute 70 g de maïs, une demi-cuillère à café de sel et une demi-cuillère à café de poivre moulu. Je remue pendant une minute. Je mets la ciboulette, je remue brièvement et je coupe le feu. Le riz aux œufs est prêt. Bon appétit! En séparant les blancs et les jaunes d'œufs, on contrôle leur cuisson. Cela permet d'obtenir des grains de riz qui restent séparés, qui sont enrobés de jaune d'œuf avec un bon goût et une belle couleur. Merci, rendez-vous au prochain plat fait maison sur Cooking with Morgane.